Je viens juste pour donner mon témoignage de ce que j'ai expérimenté avec le Seigneur en brousse où j'étais, justement au champ, c'était à quelques 45 ou 50 km de Luputa. Je m'appelle Mulambe Nok, je suis croyant du David Tabernacle chez le pasteur Kalengo Ngoy, où je sers aussi Dieu en tant que huissier et interprète. Alors, il se fait que quand j'étais au champ, c'est au début de ce mois, le mois d'octobre. Alors, dans mon champ, quelque part, il y a un arbre sur lequel abritaient les abeilles qui ont fait beaucoup d'années là-bas. Alors, ils ne menaçaient pas tellement. Leurs attaques étaient vraiment sporadiques. Mais cette année-ci, pendant les sarclages de maïs, les abeilles, leurs attaques étaient vraiment très agressives. Il n'y avait pas moyen de s'y approcher pour travailler ou dégager la brousse qui envahissait le maïs. Alors, les gens de contrat, les gens qui travaillaient pour moi, que j'avais placé là-bas, ils étaient menacés et ils avaient fui. Alors, vu cette agressivité de ces abeilles, on a pensé qu'il y a réellement du miel là-bas. Parce que quand il y a le miel, vous trouverez que les abeilles deviennent trop méchantes. Alors, les gens se sont décidés de venir abattre l'arbre pour avoir un peu du miel. C'était à mon insu, moi je ne savais pas. Un certain matin, quand je me rendais au champ, j'ai trouvé qu'il y avait du fumet partout, tout autour de l'arbre là-bas. Alors je me suis demandé ce qu'il y en avait au juste, je ne pouvais pas comprendre. En m'approchant, j'ai trouvé que les jeunes gens avaient mis, ces gens-là avaient mis le feu à l'arbre. Ils en ont fait tomber la branche sur laquelle logeaient ces abeilles. Alors, il n'y avait pas moyen encore de s'approcher de ce rayon-là, là où se trouvait le maïs. Nous avons pu contourner, nous avons commencé à travailler ailleurs, attendant que deux ou trois jours, les abeilles pouvaient se déplacer comme leur logis était déjà détruit, ce qui ne fut pas le cas. Alors, le deuxième ou troisième jour, quand nous nous sommes approchés, il y avait toujours des menaces consistantes. On ne pouvait pas comprendre. Je me suis demandé, j'ai dit, mais comment? Les abeilles, on les a dispersées, mais pourquoi cette menace continue? Alors, en vérifiant, j'ai trouvé que les abeilles s'étaient déplacées de l'arbre pour aller abriter sur une branche. Donc, un rameau du palmier qui était à côté, presque à presque 3 mètres de l'arbre. C'est là qu'ils s'étaient enroués, c'était déjà toute une arène encore. Alors, au-dedans de moi, j'ai eu l'inquiétude quand j'ai découvert cette nouvelle arène, ce nouveau logis des abeilles. Je ne pouvais pas faire autrement. J'ai dit, bon, maintenant ce maïs va s'abîmer, qu'est-ce que je peux faire? Alors, j'ai commencé à travailler ailleurs, soucieux de maïs qui s'abîmait. Alors, quelque chose est venu me dire de prier. C'était vers 10 heures. Comme le diable ne peut pas me pousser à prier, je savais que c'est Dieu. Directement, je me suis incliné, j'ai prié, j'ai dit au Seigneur, comme toi, tu as dit, l'homme trouvera à manger au moyen de la sueur de son front. J'ai déjà travaillé, j'ai sué, j'ai semé ce maïs, maintenant c'est le moment de sarclage. Je vois là que je ne peux pas facilement arriver à dégager la brousse qui a envahi ce maïs, parce qu'il y a des abeilles. Alors, j'ai tourné vers la reine d'abeilles, j'ai dit, pauvre créature de Dieu, je vous ordonne de quitter cet endroit et d'aller habiter ailleurs pour vivre paisiblement afin que cet endroit soit dégagé. Je voulais travailler. C'était vers 10 heures et arrivé à 13 heures, j'ai senti seulement comme un coup de tonnerre. Quand j'observe, ça m'a secoué, j'observe là où se trouvaient les abeilles, elles étaient plutôt en l'air. C'était leur départ et elles se sont dirigées vers l'ouest, passant par là où j'étais. Et comme j'étais vraiment frustré, j'ai fui. Après un moment, je suis rentré. Les abeilles ne voulaient ni même pas m'inquiéter. C'est ainsi qu'elles sont parties toutes. Et cet endroit est resté calme. Nous avons travaillé, nous avons sarclé le maïs de ce rayon-là, paisiblement, sans problème. Alors, vu que la nature a obéi à la voix d'un humain comme moi, cela m'a donné de l'impact. C'était une expérience que j'ai voulu partager avec les membres de mon église David Tabernacle. Je crois que c'était ça. C'est tout ce que j'avais comme témoignage à donner pour aujourd'hui.
Je Que dis et je Dieu. vous remercie. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui fait que vous êtes toujours attaché à David Tabernacle? Pourtant, il y a beaucoup d'églises. Bon, Vous aviez moi, écrit depuis longtemps. oui, effectivement, il y a beaucoup d'églises, mais il s'est fait de mon côté que le choix du pasteur ne s'est pas fait à mon propre bon gré. C'est le Seigneur lui-même. Moi, je vivais à Canaan, soucié d'avoir la vie éternelle. J'ai appris que Dieu travaillait au David Tabernacle quand cette église était encore à Kanyam, de l'autre côté du Chaba. C'est ainsi que je me suis dérangé pour arriver sur les lieux. Donc à Kanyama, donc. Arrivé là-bas, nous avons consulté Dieu, il a parlé de nos âmes, il a donné la conduite, on a prié pour nous et nous attendions déjà le train pour rentrer à Cana. Alors, pendant la prédication, un certain jour, que j'ai déjà oublié, le pasteur Kalenda était en train de prêcher. Quelqu'un est venu me dire à l'oreille, il me dit, j'ai entendu une voix qui me disait, voilà l'homme qui peut te conduire jusqu'au ciel. Et depuis ce jour-là, j'ai eu un dégoût d'aller vivre encore en ville. C'est ainsi que j'ai choisi David Tabernacle, j'ai choisi Pasteur Kalenda comme mon pasteur depuis très ce temps-là jusqu'aujourd'hui. C'est ce qui a fait que je sois au David. Donc j'ai compris que je suis sur la plate-bande de Kalenda Wangoy. Ah bon, et depuis que vous êtes là, quel est l'esprit que vous appréciez dans le pasteur Kalenda Wangui et David Tabernacle aussi? Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Si je vais les énumérer, on va veiller. Mais tout ce que je sais, que c'est un homme qui a avalé le livre qui était dans la main du septième ange. Il a avalé le message. C'est un homme réellement sauvé. Il a l'amour divin. Et voilà ce qui m'a beaucoup marqué. Il emboîte les pas de William Branham. Donc, je n'ai pas vu Branham. Il a vécu pendant que moi, je n'étais pas encore sur terre. J'ai lu Branham dans les brochures, sa vie dans les brochures. Mais j'ai vu cette vie de Branham que je lisais dans les brochures s'interpréter sur un individu, un homme appelé Kalenda Wangoy. Voilà ce qui m'a marqué dans la vie de cet homme. Que merci beaucoup Je vous pour en vos prie. remerciements.